Peinture, sculpture, aquarelle, photo, poésie, bande dessinée, artisanat ou atelier créatif, il y en avait pour tous les goûts. L'exposition Exprimart a rassemblé des artistes de tous bords et leurs œuvres. Un moyen pour les artistes de partager leur passion et pour le public de découvrir leurs œuvres. C'est surtout pour faire découvrir à l'ensemble de Broukerque, des Broukerquois et puis des communes avoisinantes, la diversité de l'art. Et puis en même temps, c'est un moment convivial de partage entre artistes aussi, faire découvrir leur art par différents aspects. Plus d'une vingtaine d'exposants étaient présents pour présenter leurs travaux au regard de tous. Un tremplin pour les nouveaux artistes, comme pour ce jeune poète de 17 ans qui a signé l'année dernière son premier recueil de poésie. Ici, je présente mon recueil de poésie Petit Poème et Spleen. C'est un recueil de poésie en deux parties. La première, s'émerveillant sur tous les objets du quotidien. La deuxième partie, Spleen, c'est de la poésie un peu plus personnelle et un peu plus recherchée dans la forme et dans le fond. C'est ma première convention, donc c'est toujours une découverte. Et puis c'est le début de peut-être d'autres salons. Et après, je pense que c'est une certaine forme de communication autour de l'art. Et participer à ce genre d'événement popularise toutes les formes d'art. Exprimart fait suite aux Automnales, qui est organisée dans la commune depuis 20 ans par Isabelle Vandenbroek, devenue marraine de cette édition et exposante. Elle y présentait une large exposition sur le thème des arbres.